Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour un haul. Ce n'est pas n'importe quel haul puisqu'on va vous montrer tout ce qu'on a ramené du salon Paris Animal Show. Je ne sais pas si vous avez vu notre vlog de la semaine dernière de notre séjour à Paris, mais en gros, le mois dernier, on est allé sur Paris pour faire des démonstrations de dog dancing avec Mélodie au salon Paris Animal Show. On a eu l'occasion de faire plusieurs fois le tour du salon et de ramener des petits produits pour Mélodie et Opus de différentes marques. Je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez je mette le vlog plus le haul dans une seule vidéo ou si vous vouliez deux vidéos séparées, et à la majorité vous avez préféré que je sorte deux vidéos. Par conséquent, j'avais déjà filmé la partie du haul parce que je pensais l'intégrer au vlog. Donc c'est normal que pendant la partie du haul, je ne sois pas du tout habillée pareil puisque ce n'est pas le même jour. Avant que je vous montre les articles qu'on a ramenés du salon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, nous laisser un j'aime et à commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Instagram, Facebook, TikTok, et c'est l'avatar enchanté, je vous mettrai juste ici. Et c'est là où je vous donne toutes les infos. Je suis carrément assise par terre dans l'herbe pour vous faire le haul. Alors voici tous les sacs que j'ai ramenés, ils sont pleins. Attention. Tout ça, c'est rentré dans la valise. Franchement, on peut me féliciter. Donc comme vous avez vu sûrement, on est passé au stand de Petch. On a eu un joli doudou lion qui fait pouet pouet, bien évidemment. Dans 2 secondes, il y a Mélodie et Opus qui vont arriver. Ah bah voilà, vas-y, bouge la caméra Opus. Incroyable. Donc voici le petit lion, il est trop choupi. Ensuite nous avons un autre tote bag de Petch avec leur nouveau logo. Nous avons également en exclusivité une casquette, elle est trop belle. Nous avons encore un petit doudou, ah oui d'ailleurs tout ça, enfin il y a une bonne partie que c'était dans une box, mais j'ai pas pu emmener la boîte en carton comme vous l'imaginez, puisque bah, dans la valise ça rentrait pas, mais je vous mettrai comment c'était avant, juste ici. Donc voilà, il y a un petit, encore c'est un lion ça aussi, mais ça il y a la balle qui sort de son ventre. C'est trop bien. Je connaissais pas du tout. Donc on peut le re-rentrer. Mélodie au plus, vous les voyez pas hein, mais ils sont juste derrière. Venez par là. Mais faites pas tomber la caméra. On teste ce jouet. Enfin ce jouet parce qu'il y en a deux. Tiens, bah tiens. Comme toujours au plus qui part avec. Il va l'abandonner après, tu sais très bien Mélodie. Tout ce qui l'intéresse c'est que tu lui cours après. Et oui, sinon il prend pas les jouets. Ça y est, Mélodie l'a récupérée. Je pense qu'elle va réussir à enlever la balle. Ouais. Ah ben ça y est, Mélodie a récupéré la balle et au plus récupère le doudou. Ensuite, nous avons deux paquets de friandises de Lily's Kitchen. Voilà. On va goûter ces petites friandises. Enfin, ces grosses friandises. Voilà comment ça se présente. Au plus, tu l'as, je t'ai pas donné. Tu attends comme tout le monde. Doucement. Tiens ma fille. Est-ce que c'est validé? Celle-ci alors, on goûte au plus. Oui. Doucement. Ouais. Bon bah c'est validé aussi. Et enfin, nous avons un test de shampoing. Enfin un échantillon de shampoing. C'est un shampoing démêlant jojoba. Donc ça c'est ce qu'on a eu de la part de Petch. Ensuite, comme vous avez vu, on a gagné au concours de Pet Club. Nous avons une couverture que j'ai pas ouverte, on va l'ouvrir ensemble. Ah non, c'est un petit tapis, je pense. Trop mimi, elle est toute douce. Et ensuite, nous avons encore un jouet. Trop beau. Dans mes couleurs, en plus c'est un peu violet bordeaux, j'adore. Au plus, qui fait encore bouger la caméra, non mais je rêve. Maintenant je suis toute de travers. Bon, c'est pas grave, on continue. Et lui aussi fait pouet pouet. Ah, il y en a une qui arrive. Ah, t'es intéressée ma puce? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà ce qu'on a eu de la part de Pet Club. Ensuite, on a eu du coup plusieurs choses de différents stands. Ah oui, j'ai participé à une tombola. Et du coup, en participant, on pouvait choisir un produit. Donc moi, j'ai pris un petit jouet, un éléphant. Et d'ailleurs, bah, je pense que vous l'avez vu, mais j'ai aussi gagné à la tombola.
Voilà, il fait pouette-pouette encore une fois. De la part de la PSA, nous avons des échantillons de croquettes et aussi des friandises, des sticks dentaires qui se présentent comme ceci. Encore d'autres échantillons de croquettes, pareil de la marque Fung Feed. Ensuite, nous avons des friandises de la marque Churu, je sais pas comment ça se dit. Enfin, c'est pas vraiment des friandises, c'est un peu liquide. Voilà, merci aux puces encore une fois. C'est au poulet et au saumon. On va tester ces récompenses-là maintenant. En fait, il faut les mettre au frigo et les sortir, comme ça, ça fait une petite glace. Bon là, du coup, c'est pas du tout, c'est liquide, hein. J'ai pas mis au frigo, mais on va faire quand même goûter à Mélodie et aux puces. Mélodie qui s'en fout partout. Tiens, aux puces. Tu laisses ça aux puces un peu. Tiens. Ah. On a plein. Nous avons également un shampoing solide de la marque Le Sobion. Ça sent super bon. Ça se présente comme ceci. J'ai jamais testé les shampoings solides. C'est 100% naturel. On a gagné aussi au stand de Edgar Cooper un collier bleu. Ensuite, nous avons un spray à mettre sur les articulations de la marque CDVET, comme ceci. Et apparemment, ça marche aussi sur les humains pour tout ce qui est tendinite. Nous avons également, mais ça je pense que vous l'avez vu durant tout le salon, une super blesse de Pop Dog. Elle est trop pratique parce qu'en fait, elle se met en bandoulière. Donc vous avez juste à la mettre comme ceci. Vous attachez l'autre côté au harnais ou au collier de votre chien. Et au moins, vous n'avez rien dans les mains. Et franchement, je peux vous dire qu'elle m'a sauvé la vie quand j'avais tous les sacs, la valise et tout. Franchement, c'était top. Et même durant tout le salon, je l'ai adoptée. Ensuite, nous avons une jolie glacière de la marque Smoofel. Pareil, cette glacière m'a un peu sauvé la vie. Ça me faisait un sac supplémentaire pour prendre le train. Et dedans, nous avons deux pots de glace. Donc, il y a pastèque et fraise. Voilà, et ensuite nous avons un moule. J'ai déjà testé les glaces Smoofel et franchement Mélodie et Opus avaient beaucoup aimé. Donc on va réussir avec d'autres goûts. Et enfin, merci à toi si tu regardes cette vidéo. Un abonné nous a acheté sur la boutique Evident des friandises pour Mélodie et Opus. Merci à toi vraiment. Et voilà comment ça se présente. J'ai pas encore fait goûter à Mélodie et Opus. J'ai pas encore fait goûter à Mélodie Opus parce que je voulais garder l'exclusivité dans cette vidéo. Et donc il y a cette petite friandise et il y a aussi un autre, une autre plus grosse friandise comme ceci que Mélodie va s'embrasser de manger. Tu veux? Tu veux? Bon bah elle est partie avec. Opus, tu veux goûter? Tiens, viens. Hop, assis. Assis, tiens. Bah c'est validé hein. Il est même parti avec. Vraiment merci à toi, ça me fait super plaisir. Et voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Enfin j'espère. C'était bon? T'en veux? Ah bah au plus, reveux une petite friandise. Tiens. Et voilà, j'espère que ce haul vous a plu. Oui, on va tout tester. Oui, on va tout tester. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !